Et si je vous dis que ce jeu va vous réinvigorer des souvenirs, et si je vous dis par contre Burnout, vous disiez... Non. Si. Et bah on y va tout de suite en appuyant sur Press. C'est là tout StayCraft, Lego StayCraft, on l'a pour une vidéo particulière sur Dangerous Driving. Je confonds toujours avec Driving Dangerous. Non, c'est Dangerous Driving. Et donc du coup, pourquoi je dis ça, aujourd'hui ça vous guérirait des souvenirs à Burnout? Parce que je vous jure qu'apparemment, ce jeu, il est fait par les mêmes développeurs, plutôt même par les mêmes créateurs. Quelle chance! Par les mêmes créateurs de Burnout. Et surtout aussi, c'est eux donc qui ont fait leur jeu qui est Danger Zone, où j'ai fait juste un découverte et test dessus sur le premier. Mais que par exemple, pour celui-là, pour ce jeu, j'ai reçu un petit bonus où carrément Danger Zone 2. Oui, Danger Zone 2. Danger Zone 2, de manière un peu similaire gratuite. Et par contre, possibilité que je fasse un mini LP dessus. Oui, je vous avoue que ça sera un peu rapide. Et voilà, si vous voulez, pour le topo. Du coup, on y va. Et pour que je vous dise du Burnout, je vous dirai tout de suite là, je vous dis que ça ressemble à peu près pareil. Du coup, on va dans Single Player Courier. Et à votre avis, ça ressemble à quoi ce globe, cette voiture 3D et l'épice qui est là? Ça n'est pas Burnout Rotterdam par hasard? Mais oui! Et je vous jure, hein. Alors attends, Step Class, Surf Class, Coupe Class, Supercar. Ah ok, donc là t'as toutes les voitures qui est là. Alors attends, donc là t'as entre voitures un peu normales, là les plus robustes, les coupes, les supercars, les hypercars et les Formule 1 si je peux dire. Alors donc si je fais en gros le premier, donc clairement j'ai jamais touché au jeu quoi. J'ai fait peut-être un petit test un peu pour voir ce que c'est, mais littéralement après, de manière générale, c'est littéralement où c'est, genre il y a 6 types de voitures. On a toi, Race, alors Shakedown normal, le Road Rush, Phase 1, et le Orlay, le Phase 2, Push It, Phase Off, Survival, et le GP. Alors attends, donc si je compte, il y a carrément combien de niveaux? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, 11. Après, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, peut-être qu'on va essayer de faire un petit tour dessus. Alors, c'est parti pour Race. Et donc, bien sûr, dans ce jeu, Dangerous Driving. Et là, donc, nous avons une voiture. On a la Sane, la Tulette Sane. Ah, ok, eux, ils sont bloqués. Donc, la Sane. Donc, c'est cette voiture, donc, qu'on va contrôler. C'est parti. Et non, je vous joue vraiment. Ce jeu, apparemment, c'est vraiment fait par les mêmes créateurs. Donc, surtout ceux qui ont fait, par contre, l'incontournable et fantastique Burnout Takedown, qui est vraiment un de mes jeux d'enfance PS2. Et je vois, par contre, que même par la sensation qu'il y a dedans, c'est vraiment mais pareil. Alors, attention, première place, deuxième, troisième. Ok, c'est parti. C'est parti. Allez, on y va. Alors, juste pour rappel. Ah ok, donc c'est pour mettre le boost. Oh la vache. Allez, on y va. Et oh la vache. Ah par contre, on retrouve bien dans le côté arcade, hein. Allez, c'est parti, on y va. Allez, hop. Alors attention. Donc là je conduis et je fonce. Le boost. Et ok, je me bouffe carrément une voiture. Ça commence déjà bien. Et pourtant, je suis que 6ème. Alors, ok, très bien. Donc, voilà, si vous voulez, carrément. Là, je suis sûr là qu'il y a des souvenirs là, qui sont déjà débloqués dessus. Alors, attention. Alors, vite, on se dépêche là. Parce que là, on a trop traîné. Et en plus, on doit rattraper. Et on évite d'un peu de soucis faire le con. Allez, on rattrape les pilotes. Et toi, tu fous le camp. Et un slam. Et voilà pourquoi j'ai dit Burnout. On a vraiment les Takedown qui sont là. Et même les Crash. Allez, on y va. Toi, hop là. Crash. Et ouais, maintenant je suis premier. Alors attention, on y va faire quand même le fifou. Voilà, ici. Et là, bien sûr, là, hop. Alors attendez, je vais carrément me fermer ma gueule et écoutez-moi ce son. C'est bon, je me la réouvre. Alors, ça vous donne quoi? Ça vous donne bien de rivogurement. Ah, ok, donc là, ils ont rajouté le after touch, putain. Ils ont posé à tout, et putain, vite là, faut que je rattrape le tout. Alors, toi, tu fous le camp. Ah, putain. Et oh, putain, je vais où?
Oh là là, j'ai rien compris du tout. J'ai carrément parti dans l'autre sens. Oh là là là. Déjà que j'ai fait le couillon. Le couillon. Attention. Voilà. Allez, hop, toi. Tu vas ici. Alors attention, on évite de prendre trop le boost. Trop le boost. Voilà, hop. Toi, tu fous le camp. Voilà, comme ceci. Hop. Slalom, slalom, slalom. Ok, donc là, il y a eu du crash. Il y a eu du crash. Voilà, tout doux. Ouais, c'est bon. Attention, camion. Allez hop. Le boost. Oh oui. Alors mais là je joue là, mais je suis, mais ça me chauffe la bite. C'est dégueulasse. Si, ça me chauffe vraiment la bite. Parce que là c'est carrément genre burn-out hein. On retrouve vraiment, si je peux dire, les sensations. Et putain, je me bouffe un bus en plus. Et même mes camarades se crachent dedans. Allez, vite, 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 vite. Démarre, démarre, démarre. Putain, je suis troisième. Et merde, ok. Ok, donc je suis troisième. Hein. Bronze. Bon. Ok, du coup, ça fait débloquer des circuits, tout ça, que je me dis, il faudra t'améliorer. Ok. Attends, t'arriveras, retourne à ton 7 level. Attends une minute. Donc si je fais donc ce 7 level, donc, est-ce que c'est dans le principe là où carrément c'est pas vraiment en gros débloquer un peu les circuits ou vraiment t'es obligé de les faire un par un? Donc voilà, c'est un peu pour le, enfin, pour ce tour littéralement. Et je sais pourquoi, mais Dangerous Driving, c'est vraiment un truc où c'est le digne successeur de Burnout, hein. Au même titre là que Danger Zone. Attends, donc Shakedown Preview, Shakedown, Roll Roll Rage. Ah oui, bien sûr, là c'est Race, donc on a fait une course. Bon, allez. Shakedown, qu'est-ce que c'est alors? Alors Race, au coup, c'est course. Le Shadow, c'est quoi? Oh la vache, on a débloqué une nouvelle caisse. Oh ce jeu, mais qu'est-ce que j'ai bien aimé. Je ferai même une autre vidéo s'il le faut en 2024. Mais pour ça, je crois que je vais plutôt jouer dans mon coin. Parce que c'est vraiment un jeu là que je pourrais jouer dans mon coin tranquille, posé. Hein. Mais bon, d'abord, on va plutôt se contenter sur autre chose. Ok, alors attention. Ok, donc je vous dis, c'est un truc là où tu dois faire le meilleur temps. Alors, 1 minute 20, 1 minute 30, 45, ok. C'est parti. On y va. Donc on démarre. Voilà, ici. Voilà. Tout doux, on y va. Voilà. Maintenant, pas trop à fond non plus. Voilà, slalom, slalom. Un coup de boost. J'ai besoin de vitesse. Voilà, slalom ici, slalom par là. Le boost, ligne droite. Doudou. Voilà, comme ceci. Aïe, ouille. Boost un peu. Voilà, le boost. Voilà, hop. Hop, ici, un petit coup de boost. C'est bon, je tiens. Oui, on peut y aller tout droit. Ok, et c'est ici. Ouais, silver, ok, d'accord. Bon, au moins, c'est bon. Ok, donc ça, c'est un peu une sorte de contre-la-montre plutôt. Ouais, donc ça, ça s'appelle contre-la-montre. Selon moi, mais c'est carrément un truc là où tu dois battre ton meilleur temps. Ok, donc t'as reste contre-la-montre. Et normalement, je remets que le roar-rage, c'est le truc là où carrément des takedowns, ou carrément des crashs, où tu dois faire le plus de dégâts possible à tes adversaires. Mais après, par contre, aussi, c'est qu'il faut que tu sois le...
que tu sois encore en vie. Car plus tu prends de dégâts, plus t'as des chances au coup de littéralement bah décoller. Hein. Sundance, ok. Bon, ça j'ai pas encore débloqué. Je me dis qu'il faut que je sois au moins hors. Bon, allez, on y va. Allez, on y va pour le rage. Le rage. Et essayons de faire meilleur. Bon, après, je remets que sur celui-là, t'as un peu des tours infinis. Hein. Allez, on y va. Non, mais franchement, je vous jure. Hein. Dangerous Driving, c'est littéralement le 10 successeur de Burnout. Ok, il faudra faire 8 tanks down au moins. Ah, c'est littéralement les mêmes menus, j'ai l'impression. Hein. Allez, du coup, on y va. Alors, attends, il n'y a pas de choses. Ok, carré, c'est pour regarder derrière. Alors, déjà, en voilà un. Et moi-même, je me prends. Alors que pourtant, je ne fais du tout pas ça. Ok, donc, mais ça fait rien du tout. Y, c'est pour changer la vue. Voilà, bouffe-toi une bagnole. Tiens, gratuité. Attention. En gros, cracher, mais pourtant, j'ai réussi à cracher une voiture. Voilà. Hop, toi, tu manges ça. Alors, attention, coup tout de même. Tiens, j'ai fait toucher juste un petit chouïa ce pick-up. Hein. Bon, en même temps, j'avoue que c'est peut-être pour eux de manière de apprendre les bases. Voilà, hop. Voilà, tout doucement. Voilà, j'ai fait que 3 deck down. C'est même pas suffisant. Ok, là, le truc du Danger. Ils ont appelé ça Danger Time pour l'After Touch. Hein. J'en ai une pensée. Hop. Putain, sérieusement. Pourquoi, quand je fais un crash, je me bouffe une bagnole? Tu m'expliques. Mais bon, en tout cas, apparemment, la sensation, elle est toujours là. Toujours. Et je suis même passé à travers la barrière. Je vais crever. Aïe, 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 aïe. Allez. Voilà, hop, toi maintenant, tu dégages. Attention, on se croirait bien. Ouch. Quelqu'un m'a donné un coup de pied au cul. Aïe, 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 aïe. Oh. J'en ai mal, hein. J'ai même la portière qui se balade. Attention, comme ceci, voilà. Et là, on fonce. Oui, attention, décollage. Hop là, atterrissage. Voilà. Non, pas de voiture à l'horizon. Bon, à un moment, avec tout ce que je me suis ramassé là, il doit y avoir de fortes chances que littéralement, genre, je me prends encore un crash et là, après, c'est game over. Toulou. Attends, le temps, le temps, le temps. Et non, pas touché. Time up. Six tank down. Silver. Bon, au moins c'est propre. Ok, j'ai débloqué ceci. Ok, d'accord. Ah non, mais j'ai l'impression que c'est carrément. On retrouve là tout ce qu'il y a dans la serveur, si vous voulez. Plutôt sur Burnout 3 Takedown que genre le 1, le 2, ou même Paradise, ou même Revenge. Là, c'est carrément. Ça reprend plus les éléments qu'il y a dans le troisième opus. Parce que là, c'est carrément un truc là où c'est entre les crashs, le Dungeon Dad qui s'appelle plutôt le Aftertouch. Et t'as aussi, bien sûr, là où c'est vraiment. Ça sont vraiment les menus. Hein. Alors attends, donc ceci, ok. Donc du coup, on entre le face, le ever. Alors attends, c'est quoi le face off? Alors laisse-moi deviner, est-ce que c'est un truc là littéralement ou c'est. Alors c'est pas une sorte de. Y a ça dans Need for Speed Underground 2. En gros, c'est un circuit là, tu dois aller du point A au point B. Non pas un circuit que tu peux faire tout par. Enfin, où tu dois faire des tours. Ça s'appelle ça, je crois pas, c'est un splint ou un splint. Enfin, c'est un nom comme ça. Ok, alors c'est quoi leur face on? À mon avis, ça doit vraiment être quelque chose là où c'est tu dois où tu dois littéralement je crois bien faire arriver là-bas premier.
Allez, on y va. C'est parti, mon kiki. Hein. Ok. Ok, on est pas entre que deux. Ok, donc c'est vraiment face à face. Ouais, donc ça c'est carrément le truc là où c'est tu affrontes un adversaire. Attention. Et hop, toi, tu fous le clan. Voilà, attention maintenant, on négocie bien les virages. Non mais des fois un coup de boost. Ça c'est rien, ça c'est rien. Ouais, du coup maintenant nous on coupe par ici. Pour redescendre. Voilà. Et là on fonce. On fonce. Ah putain mais. Je sais pas ce qu'il pensait, mais dans le jeu par contre, enfin. Donc, si vous voulez, c'est que normalement dans ce jeu-là, par contre, il n'y a qu'une seule musique qui est que si vous voulez que dans les menus. Mais après, quand c'est juste par contre faire les phases de course, il n'y a aucune musique ni rien. Oh, mais non! Mais vas-y! Ouais, ce qui perd un peu, si vous voulez, de sa saveur littéralement. Et mais par contre, là, ils ont quand même rajouté un truc là où c'est. Ils ont même mis une, je crois, un truc pour Spotify où vous avez une certaine playlist. Voilà. Et voilà. C'est carrément un truc que je profite au coup de signaler. Et après. Alors, j'ai quand même fait prendre une vidéo d'un gars qui a mis, si vous voulez, en gros, genre les musiques de Burnout 3 sur ce jeu. Et franchement, mais ça a même mis du caramel dessus, hein. Du caramel, hein, je dis pas de conneries, hein. Allez, on y va à fond. J'ai besoin de vitesse. Alors, attention, on y va doucement. 13 secondes, ok. Voilà. Piquer un petit peu tout droit par ici. Attention. Voilà. Voilà comme ça. Les petits à-coups. Les petits à-coups. Rentre bien dans le fromage. Le fromton. Voilà. Et on y va. Bon allez, je pars pas beaucoup hein, parce que là c'est carrément où c'est c'est de la conduite, de la course. Puis surtout ça. Ça fait trop des souvenirs littéralement, mais de Burnout 3, mais je vous jure là, mais... Par contre, je vous avoue que si vous voulez par exemple, vous le procurer, allez-y, hein. Je joue vraiment là, mais... C'est vraiment mais un canot parfait pour tous les fans de Burnout, hein. On voit tout ce toulou quand même. N'allons pas trop loin non plus. Voilà. Petit boost ici. Voilà, et normalement... Peut-être que final, il se trouve sur l'autoroute, hein. Voilà, conduite. Ouch. Hors de question que je perde là. Hein. Si j'ai fait un coup une traversée, hors de question que je la perds. Il 22, bon là il est en train un peu de me rattraper, j'ai bien l'impression. Non, il est pas derrière moi. Ouch. Boost. Et c'est là. Enfin. Parfait. Perfect. Oh la vache. Oh là là là. Hey, on a gagné une voiture. Eh ben parfait. Bon, je me dis que si par exemple t'as les pièces en or là, enfin en gros la première place ou les trucs, ben tu as. Ça te fait normalement débloquer une voiture. Ok, donc en gros le face-on c'est carrément le truc du face-à-face. Hein. Le truc du duel. Pour savoir qui a la plus grosse machine. Ok, et donc du coup. À mon avis, le survival c'est carrément plus là où tu dois essayer de survivre. Hein. Et poursuite c'est quand tu es une balle de flic là où tu dois essayer de faire.
Ok, bon, allez. Allez, on est parti maintenant pour le A-Wave. Qu'est-ce que c'est? Et du coup, j'ai débloqué cette caisse-là qui sera un peu plus meilleure. On va voir ce que ça donne. Alors, celui-là, c'est quoi? Donc, normalement, tu as ceci, cela. Du coup, celui-là, c'est quoi? Non, c'est pas le truc des crashs, hein. Danger Zone, c'est vraiment le truc des crashs. Alors, voyons. Alors, to speed, Ever Champ, plus top speed et ton autre carte. À mon avis, c'est carrément tu dois être premier et pour ça, tu devras faire des meilleurs sprints. C'est parti. Ah, ok, il y a des zones là, par contre là, tu n'auras pas besoin du boost. J'ai pas appuyé sur A, ça marche pas. Là, je peux. Et donc, carrément. Oh là, pour me remettre dans le bain pour celui-là, ça va être compliqué, hein. Je crois que j'ai pas pris la voiture là qui est me fou, hein. Et là j'ai beau appuyer sur A, ça marche pas. Ok, ils sont derrière. Attention quand même. Fais quand même attention. Et là on peut aller à fond. Et hop. Et hop. Un petit attaque par le cul. Et non, tu peux pas. Et putain lui il m'a foutu une grosse taclée, hein. Allez. Eh ben dis donc. Allez hop. Allez hop. Du coup on y va, on fait boum boum. Hop, alors attention quand même. On négocie bien les virages. Voilà, ici. Toi, hop. Et putain, il faut toujours qu'il y ait une voiture qui me taxe sur le côté, hein. Allez, alors là, c'est sur là que je vais pas avoir la coupe, hein. Et, bah, attends, on est déjà au deuxième tour? Bah, cette voiture, c'est pas la plus pratique, j'avoue. Putain, par contre là. Et non, il n'y a pas d'autre bouton. C'est tu as vitesse, le côté du frein qui se trouve ici. Et sinon, ah là, c'est carrément pour foutre le boost. Hein. Et donc, quand je touche pas les adversaires, je touche toujours les passants. Hein.
Mais littéralement là, je vais carrément mais rien gagner du tout. Rien du tout, hein. Rien, nada, que dalle. Que dalle, hein. C'est même moi qui le dis. Alors attends. Hop. Allez, on y va. Non. Alors, après, y a rien d'autre, hein. Ah non, c'est carrément, c'est retrouve bien par notre là, mais par contre. Pour te remettre à niveau là, tu devras au coup devoir faire beaucoup de devoirs, hein. Et bon, en tout cas, l'importance est le fun. Là, il est bien revenu, hein. Voilà, ici, hop. Voilà, alors attends quand même. Petit coup de boost. Putain, c'est pas le camion, je voulais shooter, je voulais juste le traverser devant, un peu sur le côté. Oh. Mais là, ils sont vachement loin, là, les camarades. Ils sont déjà à l'autre bout, hein. Allez, hop. Hop. Et après, je sais pas trop comment dire sur le jeu, mais... Ben, c'est propre. Ben, c'est propre, il y a bien les trucs. Mais, c'est tout. Aïe, oui, oui. Attention. Oui, oui. Et... Non, littéralement, dernier, hein. Rien du tout. Non, j'aurais recommencé. Ah non, je crois même que j'ai dû faire, c'est pas recommencer, mais retour dans le menu. Ouais, ok, alors là, ça, donc, c'est carrément le truc Bah, c'est un peu le truc du circuit, tu fais ça, puis après, voilà. Non, mais j'ai envie de prendre ma revanche sur celui-là, hein. Pas question, hein. Je veux prendre ma revanche dessus. Et ceci, je fais aussi avec ma voiture de base, hein, qui, je peux dire, est un peu plus équilibrée. Allez, on y va. Boum, 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 boum. On va conduire des voitures, hein. Allez. Non, mais ça perd déjà en crash déjà de ce qui est devant. Et non, je peux même pas appuyer sur A, hein. Donc littéralement le truc du boost là, c'est que ça vient ou ça passe, hein. Bon là quoi, je parle pas parce que je suis concentré. Car là ceci tout est dans le doigté. Doigté, le doigté, le doigté. Allez hop. Prends-toi un petit coup ici. Et maintenant on se concentre. Du coup il y a possibilité que je vais plus parler. Plus parler du tout. Vraiment eux ils sont derrière. Ils vont sûrement ressurgir. Bon, y en a un qui se trouve derrière. Crash, 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 crash. Et merde. Ok, donc t'as pas le droit par contre là au truc du Danger Zone Auto Time. Si tu te fais toucher, c'est mort. Bon, oh, attaque par le cul toi. Aïe, 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 aïe. Oh nom de Dieu! Ah bah, je suis en train d'y penser, mais en fait, le survival, lui, c'est plus un truc où c'est. C'est carrément de la survie, hein. Où c'est carrément le but du jeu, carrément, que tu sois le plus devant et celui qui est dernier se fait éjecter, hein. Boost au max.
Bon, là, je me suis un peu rattrapé, mais ils sont toujours aussi loin, hein. Oh, ok, je me dis que si par exemple tu vois des voitures avec des feux qui clignotent, c'est littéralement tu peux rechercher ton taux de boost. Bah attends d'abord. Là c'est slalom ici. Il y en a quand même doucement. Et à chaque fois quand je vais mettre un truc de boost ou quoi que ce soit, je finis dans la neige ou que je me prends des balles, des trucs. Eh bah dis donc. Hein. Et bah me le van dessus encore. Ah et donc ça j'avoue que les virages c'est plus dangereux. Genre tu fonces, mais là t'as un véhicule qui fait coucou. Et là boum, tu te bats, tu te prends dessus. Ok. Là hop. Ah, donc si tu vois carrément des phares qui clignotent là, ça veut dire carrément que c'est un truc là où tu peux te... Bah te recharger assez rapidement. Sauf que là, bah, c'est déjà mort hein. C'est déjà mort. Boost. Encore. Attention tout de même. Voilà. Ici. Et là je mets maintenant à fond. À fond. Barrière bagnole. Putain, il y a un moment où je voulais essayer d'aller rattraper. Bon, là, littéralement, je vais encore avoir les 6e places. Hein. Encore les 6e places. Et, non, mais littéralement, là, faut vraiment mettre triade, mais comme un con, là. Hein. Ouais, comme un con. Comme un fou, littéralement, plutôt. Et toi, hop. Et, non, c'est déjà mort. Et que je me dis que la ligne d'arrivée doit se trouver vraiment quelque part aux autres horizons. Et hop. Bon, 5e. J'avoue que c'était un peu sur le poil du cul. Hein. Non, littéralement. Faut pas abuser non plus. Ouais, mais je me dis qu'après, donc, le truc poursuite là, c'est où tu joues donc une belle de flic. Et pour ça, tu dois arrêter les... Bah, les passants qui sont là. Enfin, les passants. Les concurrents, voilà. Ouais, bon, donc, c'est à peu près ça. Bon, le Shadow Preview, c'est un truc là où c'est... juste pour voir ce que c'est. Ok, là il te montre comme les circuits. Wild Face Point, c'est ceci. Ah non, en fait, avoir c'est carrément où c'est un circuit, mais seulement il n'y a que 2 tours. Ok. Donc là, tu peux avoir une preview. Ça, c'est le Face One. Et là, t'as un truc poursuite là. Donc, ça, c'est vraiment un long circuit là où tu dois faire le ban de flic, là où tu dois arrêter le plus de concurrents. Et là, ensuite, t'as un autre Face One qui est le 3. T'as aussi le Survivor où tu dois arrêter. Et ensuite, t'as le JP Expo où littéralement, je trouve que c'est un truc là, une sorte de tournoi. Ok, tout ce qu'on corde donc. Ouais, donc là, j'aurais carrément dû passer à la planche. Donc attention, donc là, on a entre les coupes. On a les sub-classes. On a les coupes-classes. Ah non, la classe superstar. La hypercar-classe. Et il faut bien. Et... Attends. Là, t'as 11, là, t'as 13, t'as 14 niveaux, t'as 13, là, t'as 9, et là, t'as aussi 9, donc... Ah ouais, donc là, pour celui-là, ils ont carrément mis un bon paquet de niveaux. Hein. Et le multiplayer, là, c'est carrément, tu veux faire une petite partie en ligne, mais bon, ça, je verrai plutôt là plus tard. Peut-être qu'on peut prendre une troisième dans une vidéo dessus, et ça, faudra voir en 2024, ou sinon plus en 2025. Et le 8 Borrower, là, c'est plus pour voir un peu quels sont les tableaux, pour savoir qui sont les personnes. Oui, ensuite là, settings, ça c'est carrément bonus entre gameplay, vidéo, contrôle, audio, et là, télé, crédit. Blablabla. Bon, voilà. Bon, bah c'est la fin de ce épisode, la fin de cette vidéo en track sur Dangerous Driving, le digne héritage de Burnout. Like, comment, partage, abonne-toi, clique cloche, ça sera Twitter, TikTok. Non mais je vous jure, vraiment, si vous êtes vraiment nostalgique, vous avez joué aux opus Burnout, surtout à Burnout ou à Takedown, celui-là, je suis sûr là que vous allez carrément vous régaler dessus. Hein. Non mais franchement, vous allez vraiment mais vous régaler dessus. Mais après, si vous êtes plus amateur là, plus pour les crashs littéralement, les destructions de voitures ou ceci,
Et ben, pour le niveau plutôt Danger Zone, fait par la même équipe. Et je vous rends par contre Danger Zone, c'est que pourtant j'ai fait le 1 en vidéo dans un découvert des tests, et pourtant le 2 j'ai reçu gratuitement car il est inclus dedans. Donc du coup, par contre, je voudrais que Danger Zone, il y a possible que je fasse un LP dessus, vu que là, littéralement, ben, c'est un peu le principe d'un des crash, c'est littéralement. Surtout que j'aime bien ça, que j'ai eu tous les articles quand je faisais le 3. Mais bon, voilà. Dangerous Driving. Allez, tchuss.